سعيد في بداية طرح السؤال هو أنه كان ظرف سياسي في الجزائر، يعني ظرف صعب في 2017. حتى أنا ما يعني ما كذبش ما كنتش ماهيش مغامرة لوحدي يخوضها بشجاعة ويخوضها هو كان فيها تخوف، كان فيها ربما تردد، كان فيها ربما لأنه كثير من الكتاب يخدموا يكتبوا روايات ويكتبوا مذكرات أكثر شيء ويخلوها في المدرج تاعهم حتى يحين الوقت لنشرها. أنا نشرتها في ذلك الوقت وديت المجازفة نشرها. بالنسبة للإقبال، تعرف بالرواية في الجزائر أو الكتاب في الجزائر يعني بشكل عام هو يأخذ وقت باش ينتشر ويأخذ وقت باش يباع، يعني 1000 نسخة تباع على 5 سنوات، تباع على 3 سنوات أقصى حين، حتى خاصة بالنسبة لكاتب شاب. طبعا هذا يرتبط أيضا بالتسويق بعوامل أخرى اللي تدخل في الإطار. احنا انا في نهايه 2017 دخلت في الصالون الوطني للكتاب، بعدها 2018 وبعدها 2019 كانت ظروف سياسيه خاصه، دونك بيعت نسخ منه ولكن ليس بالقدر اللي كنت متوقعه. هذا هو الجواب تاعي على سؤال سعيد. ولكن الرواية تبقى، هو شيء وهو عمل اللي يقعد في التاريخ. أنا كي كنت صغير قريت الكتاب اللي كانوا توفوا أو اللي عندهم قرون، دونك الرواية ماهيش حاجة اللي تستهلك يعني آنيا فقط، ولكن الروايات من الناحية الجمالية وحتى من ناحية القضية، لأنه حتى القضية هذه ما راحش تموت حتى ولو كان اختفى أصحابها، ولكن القضية كقضية ستبقى وستبقى في التاريخ. قاعد نتكلم في الفرنسوية، يعني فرانكوفوني، مانيش فرانكوفيني على كل حال، فرانكوفوني مالوريزمون على حسب العمر تاعي وعشت الفترة تاع الفرنسية. وحتى قلنا ك ك ك ك مثلا نتكلم معاكم اون كاليتي دوتور، ما ميم جو سوي اوتور، كاين 4 كتب اللي راهي مثلا في السوق في كذا. تكلمت على حقيقة الكتاب مثلا لو بروبليم دي ليفر اون الجيري il est quelque peu complexe, il a un certain parcours du combattant. L'auteur, bien sûr, pour être édité, il a un certain nombre d'étapes. Il décide d'abord d'écrire, comme vous avez dit tout à l'heure, l'histoire on l'invente pas, elle s'impose. Je le dis, c'est une chose qui m'arrive. Toutefois, on est quelque part dans le roman trahi par ce que nous écrivons, parce que tout auteur écrit à partir de ce qui l'entoure dans la vie. Et en tout roman, surtout, en tout roman, il y a quelque chose de l'auteur. بلا ما يشعر الإنسان يكتب بالشعور تاعو الداخل، لو كان يقع الكتاب تاعو هو ك ك ك يسمي à la place du liseur et il retrouve quelque chose de lui dans l'histoire. Donc écrire un roman c'est déjà pas simple. Il faut vraiment se casser la tête. Et après cela, il y a plusieurs étapes. Prendre son roman et aller d'un éditeur à un autre à demander à ce qu'il soit édité. Attends, donc c'est un parcours que tout auteur, malheureusement, subit. Et j'ajoute en parenthèse que tout auteur algérien ne s'enrichit pas de ses livres. Ouais. Ce qui est certain. Il ne s'enrichit pas de ses livres. Ce qui est certain. En fait, par exemple, moi, je représente des auteurs. Je les présente. Ça fait 10 ans que j'invite des auteurs. Je suis universitaire. J'ai un doctorat en sciences et textes littéraires. Et je vois qu'il y a une grosse discrimination par rapport à la question de la critique. Déjà, les universitaires allemands, je ne vais pas citer lesquels, moi je fais partie de l'Université des langues étrangères, on a ce cliché d'inviter toujours que des auteurs connus. C'est ça notre problème. On ne donne pas
la chance et l'espace pour des auteurs comme vous. Par exemple, moi, je suis venue parce que, déjà, sur invitation de mon ami Cyril, et aussi parce que je ne connaissais pas du tout le nom, donc je me suis dit, allez, curiosité, je vais voir c'est qui exactement cet auteur. Donc là, on a un long problème, c'est que il faut donner la chance à ces auteurs jeunes, parce que, certes, on est fiers d'une certaine manière de nos auteurs célèbres, mais les gens qui sont au milieu, on en fait quoi finalement? Qu'est-ce qu'on fait? Et à l'université, par exemple, moi j'ai travaillé sur Tahjaoud Larahim et j'avais travaillé sur des aspects que les autres universitaires dans toute l'Algérie n'avaient pas travaillé. La majorité travaillait sur l'aspect de la dénonciation, son aspect journalistique, narrativisé à l'intérieur de ses romans. Mais moi, j'avais travaillé sur, par exemple, l'aspect rhétorique, l'aspect stylistique de son écriture. Comment un écrivain qui a été assassiné, malheureusement pour nous, très jeune, il a été assassiné à l'âge de 37 ans. Ses filles étaient des bébés. Il avait deux filles à l'époque. Comment des écrivains vraiment à l'âge précoce peuvent disparaître d'un côté et d'un autre côté être effacés par une classe, plutôt par la crème littéraire. Donc en Algérie, il faudrait résoudre cette problématique. Avant d'aller parler de la critique, il faut parler de la classe littéraire, de nos écrivains. Nos écrivains n'ont pas le même statut, c'est normal. Il y en a qui sont plutôt expérimentés, d'autres qui commencent à peine. Mais je pense que même ceux qui commencent à peine dans l'écriture, il faut aller à leur rencontre, il faut aller à leur... à découvrir, pour découvrir leurs univers, leurs imaginaires, comme vous êtes en train de plutôt de mélanger l'aspect reporter avec l'aspect littéraire. Quand vous étiez en train de parler tout à l'heure, ça m'a rappelé un peu mes lectures quand j'étais en train de découvrir Djaoud dans les années 90. C'est un auteur, mais avec un angle purement journalistique. Même si, je l'avoue, l'aspect journalistique n'est pas du tout présent dans le roman. Mais il y avait des espèces de flashbacks ou des petites nuances journalistiques, mais avec une plume purement romanesque. Donc moi, je pourrais essayer peut-être de vous aiguiller par rapport à ça. Pourquoi il n'y a pas de critique? C'est que, à la base, moi je suis universitaire, dans nos universités, dans le programme, je vais vous donner des exemples. On a Assiyah Jebbar Al-Hamra, Katib Yassine, on a toute la panoplie, toute la crème classique de la littérature algérienne. Dans la sphère moderne, on n'intègre pas encore la nouvelle génération des écrivains. Bonjour, c'est Mustapha, Mustapha Raoui, j'étais écrivain. Ma fiction, voilà pour Damna. C'est la liberté d'évasion de l'écrivain. Sauf qu'il y a toujours une part de vérité fait la fiction. N'importe quel écrivain qui imagine, quel haja imagine, il y a un misle caradaf ou la mnichoire. En tout cas, le janb al-mihani, t'as qu'à sahafi. Le janb al-mihani, t'as il y a une enquête déjà journalistique, que c'est mot. Donc, tu peux pas rire. Mais ça, comment dire, le roman, l'histoire du roman, il y a quelque chose qui déteint sur cette histoire, c'est votre parcours journalistique. C'est le parcours journalistique parce que là, c'est normal, c'est votre travail. Ou bien, votre liberté d'expression à travers le roman, ou le khayal qui a été là, qui s'en sort, c'est une œuvre fantastique. Je trouve que c'est beau. Parce que là, peut-être, les protagonistes de l'histoire, ou le Wahdi, ou une enquête théâtre, ou une enquête réelle, l'Israt, d'art Riwaya. C'est le seul.
بالنسبه للسؤال الاول قضيه المفقودين طرقت لها بعد ما كتبت الكتاب في كاعلامي كصحفي تقربت منهم وهدرت مع العائلات تاعهم وهدرت مع الجمعيات اللي تدافع عليهم ولا ترفع المطالب تاعهم بعد ما كتبت الكتاب. الكتاب جاء انه كي سمعت ربما بالقضيه لانه احيانا ما تذكرش اللحظه ولا الساعه ولا الوقت المحدد اللي قررت تكتب في هذاك الموضوع. تجي هكاك هي باش تجي هكاك وتبدا يبداو الشخصيات يتكون وحدهم حتى تلقى روحك انغمست في هذاك الموضوع ومن بعد خلاص من بعد تلقى روحك نتاعك فيه. دونك الفقدان بالنسبه لي ابشع صوره يمكن يتعرض لها الانسان بالنسبه لي. لا ادري ربما عندي الحق اكثر من الموت اكثر من بزاف فواجع يمكن يتعرض لها الانسان الفقدان. لهذا ما كانش غير الحاله والقضيه تاع الفقودين خلال 20 سوداء. ولكن باش ننسق نربط مع السؤال تاعك الثاني بالنسبه للحراقه، الحراقه هو نوع من الفقدان كما اشرت من قبل، وفيها فيها الجانب الانساني تاع القضيه تاع واحد يفقد صديق تاعو. كيف الصديق تاعو ربما راح يتبادر الى ذهنكم صديق هو يبقى كل شيء ماهوش من الاهل ماهوش من الاقارب يعني صديق يعني بعيد. ولكن الفقدان في كل الاحوال هو امر سيء جدا، هو امر فاجعه تطرا على الانسان وفي كل صورها كل صورة. حتى احيانا دائرة الاختطاف الاطفال اللي ولينا نسمعوا عليها مؤخرا في الجزائر، انا ما نقدرش نحط روحي في مكان اب ولا ام خطفولها. شيء مؤسف جدا. هي المشكل اللي صار من بعد هو حيز اللي يقدر يخدم فيه الانسان اللي صرا له فقدان. زاني 92 كونتينيو دو فوتر دات نيسونس كو جي لو مسيو دون لو روا vous étiez jeune hein bien sûr vous étiez encore étudiant si je pense si je me souviens bien d'après ce que j'ai lu hein. Donc les événements de 92 la chenille à Souda la décennie noire a dû profondément vous toucher et la vie étudiantine tout autant. La vie étudiantine et la rencontre de la jeune fille Nesrine, votre Nesrine. Et ça, Nesrine. Non, je dis votre Nesrine à l'auteur. À l'auteur, bien sûr. Je ne sais vraiment pas comment m'a situé la situation. Il y a des auteurs qui écrivent à la troisième personne du singulier, d'autres qui préfèrent écrire à la première personne du singulier. Le problème est que moi, j'écris toujours à la première personne du singulier. Pourquoi ? Parce que je me mets mieux dans la peau du personnage. Donc c'est extraordinaire, c'est une vie, c'est un roman à mon sens qui doit être, c'est une étape de la vie de l'Algérie qui doit être connue surtout par la jeunesse. On a vécu différemment la situation, la décennie noire, à chacune sa région. J'ai eu ce privilège, ces occasions de discuter des décennies, de la décennie noire. Moi, je dirais plutôt deux décennies noires, parce que jusqu'en 2002, on tuait encore et on kidnappait encore. Et on savait où le Mazemakhlasch. Tant qu'il y a des barrages, il y a des avant-postes militaires, on prend le Mazemakhlasch. Voyez-vous, c'est malheureux. Et ils doivent être connus. En tout cas, j'ai discuté avec certains gens de certaines régions de notre pays et j'ai constaté que chaque région a vécu la décennie noire d'une manière différente de celle des autres. Mais la situation la plus grave, la plus dangereuse, la plus sanguinaire a été vécue, à mon sens, dans le centre. Alger, Blida, Boufarik, l'Afron, El Khmis. Je dirais Khmis, je n'irai pas au-delà. Defla n'a pas été touché. Quelque peu. Mais ça n'a pas été. On ne peut pas enregistrer ça. Mais c'était pas important. Mais c'était surtout le centre. Les événements de Bentalha, Bechéria et tout ce qui en suit. Donc,
Et malheureusement, nos enfants, jusqu'à la quarantaine, 45 ans, ils ne connaissent pas encore ce qui s'est passé exactement ou d'une manière quelque peu détaillée. Donc, écrire dans ce sens, c'est quelque chose de formidable, d'extraordinaire. Et personnellement, je vous dis merci. Et oui, oui, je vous dis merci d'avoir écrit un livre, d'avoir écrit un livre qui, et en plus, en langue nationale, car la jeunesse actuellement ne parle pas, n'étudie, ne lit pas très bien le français. Elle est beaucoup plus arabisante que francophone. Donc, merci d'avoir eu cette idée d'éveiller notre jeunesse et félicitations pour votre ouvrage.